informada de lo que digo. Y es una mujer joven, nació en 1973, es camerunesa, nació en una de las tres principales ciudades del país, en Douala. Henry tiene o va a tener 40 años, no creo que le importe mucho que digamos su edad, porque no parece una mujer a la que le molesten estas cosas. No sé si ahora nos escucha. Sí, ahora perfecto. Hola Henry, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estaba contándoles a los invitados a esta charla que es una mujer joven, que tienes o vas a tener 40 años, que naciste en el año 73 y que naciste en Douala, en Camerún, aunque tu residencia está en París actualmente, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Lo que más le gusta a Henry Boom es escribir. Lo ha dicho en más de una entrevista, yo he tenido la oportunidad de leerlo en internet y también me lo ha comentado antes de que comenzáramos esta conversación. Eso hace que cobre especial interés el libro que está sobre la mesa, del que hablaremos dentro de un momento, porque de alguna manera aúna un poco la temática que, cómo la tradición sigue mandando en el país, cómo se produce poco a poco la evolución que en todas partes tiene lugar. Y eso le hace tener una perspectiva doble, ¿no?, y muy interesante sobre las cosas, con un pie en el continente europeo y otro en el africano. Ella ha escrito dos novelas. La primera de ellas era una novela que hablaba de la tradición oral, de la relación a través de las historias que contaba una abuela a su nieta. Y esta segunda novela, Sida Emé, es una novela muy especial, yo creo que muy querida por ella, también por su editora, que está aquí en la sala y que hay un juego de palabras en el título del libro. Pero yo quiero pedirle a Henry que por favor nos haga un resumen del libro, que nos cuente a todos un poco de qué va, ya que la editorial Caminante no ha publicado este libro aún en español ni en euskera, ojalá que pudiera hacerlo próximamente. Y bueno, yo le doy la palabra ya para que nos cuente. ¿Qué cuentas, Henry, en este libro? Alors, Sida Emé, l'histoire se passe à Douala. Douala, c'est l'une des villes les plus importantes du Cameroun. C'est la ville où je suis née, où j'ai grandi et où j'ai mes attaches. Et dans les années 80, fin des années 90, 98, quand j'ai fini mes études ici en France et que je suis rentrée au Cameroun, le sida faisait des ravages. Il y avait 12% de la population qui était séropositive. Et ça, c'est extrêmement angoissant quand on est une jeune femme et qu'on construit sa vie amoureuse. Et j'ai toujours été surprise en tant que lectrice de me rendre compte que dans la littérature africaine contemporaine, le sujet n'était pas du tout abordé. On parlait d'amour, on parlait des gens, mais le sujet n'était pas abordé. Et je me suis toujours demandé comment on pouvait parler de relations d'intimité entre les êtres sans aborder cette maladie qui nous avait tant fait souffrir et qui nous avait tellement bouleversés et qui avait influencé notre vision même de la vie intime. Donc j'ai voulu raconter cette histoire. Et Sida Emé, en fait, c'est des monologues. Il y a trois personnages principaux. Un personnage qui s'appelle Salomé, qui vient de la haute bourgeoisie de Douala avec des parents très, très aisés. Un autre personnage qui s'appelle Valérie, qui est docteur gynécologue et qui s'occupe spécifiquement des malades du sida. Et un troisième personnage qui est Moussa, qui vient des bas-fonds de Douala. Et c'était important pour moi que ces trois personnes, d'une manière ou d'une autre, se rencontrent et fassent entendre leur voix sur leur vie. C'était des histoires différentes, des origines différentes, et ces personnes se retrouvaient dans la maladie. La maladie bouleversait tout, ça bouleversait leur certitude, ça bouleversait les socles sur lesquels ils avaient construit leur vie. Il fallait se reconstruire, se rencontrer, trouver l'humanité en chacun d'eux, et trouver par conséquent la force de se reconstruire. Et tout ce livre parle de ça. Le titre Sida Emé, en fait, c'est presque une question existentielle. Sida Emé quoi? Quel est le risque qu'on prend lorsqu'on décide d'aimer vraiment les gens, de regarder vraiment les gens pour ce qu'ils sont et d'accepter de les aimer? Et c'est la question qui est posée par la maladie,
Mais c'est aussi la question qui est posée par la vie, en fait. ¿Por qué eligió a una prostituta como eje central de su novela? ¿Eso de qué manera enlaza literariamente con la realidad de su país? Oui, c'est-à-dire que dans mon pays, il y a, si vous voulez, ce personnage est assez emblématique. C'est le personnage principal du livre, mais en même temps, c'est celui qui ne prend pas la parole. Tout le monde, tous les autres personnages se tournent autour de lui. C'est Céline, ce personnage s'appelle Céline. C'est leur enfance blessée à ces autres personnages. C'est une jeune fille qui n'a pas été protégée par ses parents, qui finit par tomber sur un homme qui la maltraite, etc. Et quand elle arrive à sortir des griffes de cet homme, elle décide de devenir prostituée. C'est sa décision. Au moment où elle est libre, elle se dit, au fond, la seule chose que je sais faire dans la vie, c'est de la prostitution, et je voudrais que ça me rapporte de l'argent. Et quelque part, c'est sa manière à elle de prendre le pouvoir sur les hommes qui lui ont fait mal, et c'est aussi sa manière à elle de trouver un semblant de sérénité. À partir de là, au moins, elle ne sera pas exploitée. Ce sera, d'une certaine manière, en tout cas, elle se dit-elle, quelque chose qu'elle pourra maîtriser. Es decir, que desde la sexualidad esa mujer entiende que adquiere mayor libertad que viviendo el rol de mujer tradicional que le había sido asignado. Decía Henley antes que le sorprendió que en un país donde la gente se quiere, como en todos los países, menos mal que nos queda eso, y habiendo esas tasas altísimas de SIDA dentro de la población, hasta el 10% de personas infectadas, ¿por qué no se hablaba de eso? ¿Qué es lo que impedía a las mujeres africanas, que además tenían la desgracia de transmitir el virus a sus hijos cuando se quedaban embarazadas, qué les impedía hablar del SIDA con libertad a ellas y a los hombres de Camerún? Les institutions, que ce soit dans notre pays ou comme dans tous les pays, ont récupéré la question du sida. Tout le monde parlait du sida. Ça, on en parlait à la radio, on en parlait à la télévision, on voyait des panneaux partout, attention, le sida tue. Donc il y avait là quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Mais si vous voulez, ça semblait tellement sans issue, la situation était tellement grave que on choisissait de l'ignorer. Et ça se voit dans la littérature, parce que la littérature ne l'aborde pas. Très peu de gens l'abordent. On ne parle pas de sexualité facilement dans mon pays, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que ça va se faire dans d'autres pays. On en parle comme des choses naturelles de la vie, mais il y a une certaine pudeur à en parler, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est difficile, effectivement, pour une mère de dire à son fils ou à sa fille, attention, il faut que tu utilises des préservatifs, parce que c'est difficile pour une mère d'entrer dans la sexualité de ses enfants. C'est de la pudeur, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas en tout cas de cette manière. Et par contre, quand à un moment on n'a plus le choix, parce que les dégâts étaient tellement importants, et au fond aussi, ça aussi, peut-être contrairement à d'autres sociétés, ça n'a pas été la honte. C'est-à-dire qu'on n'a pas, les personnes malades du sida ont été mises à l'écart par peur. Plus par peur que par honte. Parce qu'on a tout de suite tous perdu des personnes qu'on connaissait, qui étaient extrêmement proches. Je veux dire, c'était pas forcément des personnes déviantes. C'était très vite des personnes très proches que tout le monde connaissait. Donc c'est la peur qui nous mettait à l'écart. Cette maladie était contagieuse, on ne savait pas tout, on ne savait pas comment. Et on avait peur d'approcher les malades du sida. Et effectivement, en général, quand on a peur, plutôt que d'affronter les choses, sauf quand on n'a plus le choix, comme ça se passe dans le livre, on affronte et on trouve des solutions, même si c'est des solutions pour un temps, on trouve des solutions. Parfois aussi, on préfère ignorer le problème. Mm.
Ignorar un problema no significa ni hace que el problema desaparezca. Ha sido abordado en la literatura muy poco, ahora lo es con este libro. ¿Ha tenido ya algún feedback, ha tenido respuesta de cómo ha sido acogido en Camerún el libro y qué importancia se le está dando a esta literatura que tiene una mujer prostituta conocida de fondo como protagonista? ¿Qué le han dicho? Le livre a été, je n'ai eu que des réponses, des retours positifs et j'en suis très contente. En fait, si vous voulez, ce qui se passe dans le livre, c'est qu'il y a divers, les personnages viennent de divers milieux. Ils viennent de tous les milieux et ils se retrouvent, c'est une réalité, c'est la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'ils vont venir de divers milieux et ils vont se retrouver un peu par hasard et décider de se prendre en main. Et finalement, le message est positif parce que même si la réalité est très dure, c'est de dire aussi que le lien social, le lien qu'on arrive à créer avec les gens finit par les aider à surmonter les épreuves qu'ils traversent. Et j'ai été très contente du retour que le livre a eu, non seulement auprès des femmes, mais aussi auprès des messieurs qui l'ont lu, qui ont trouvé que c'était, qui ont beaucoup aimé et qui se sont retrouvés. Henry. En Francia, en general, en Europa que usted conoce y con esta perspectiva tan privilegiada que le da ser africana además, ¿qué interés despierta la situación de la mujer africana para el resto del mundo más cercano, para el continente europeo, dentro de las mujeres y dentro de la sociedad? ¿Cómo se contempla la realidad de la mujer en África? Ça dépend si on s'intéresse vraiment à la question ou pas. C'est comme tous les sujets. Si on s'intéresse vraiment à la question, on creuse et on essaie d'avoir la réalité des choses au-delà des facilités qu'on peut trouver dans les schémas qui sont donnés dans les médias. Quand les personnes qui s'intéressent vraiment aux femmes africaines, qui ont un peu voyagé, qui en ont rencontré, savent que les femmes africaines sont aussi diverses et différentes que les autres femmes peuvent l'être. Évidemment, la société a une place importante, évidemment les traditions ont une place importante, mais ces femmes-là arrivent à trouver leur place et arrivent à construire une vie qu'elles trouvent acceptable. Je parlais d'un cas dans mon pays, dans les années, fin des années 70, quand on allait se marier quand on allait faire le mariage civil, la règle était la polygamie. Donc, on arrivait chez le maire et quand on se mariait, c'était la polygamie. Après, il y a eu des pressions des femmes, des groupes sociaux, etc., pour faire changer les choses. Alors, le législateur a cédé en disant, OK, on va poser la question, au moment du mariage civil, on va poser la question au monsieur pour lui demander, monsieur, est-ce que vous voulez vous marier en polygamie ou en monogamie? La question était posée au monsieur avant, et le jour du mariage, on informait la jeune mariée que son mari avait opté pour la polygamie ou pour la monogamie. C'est assez amusant parce qu'on a vu des cas où la mariée, dans sa belle robe blanche avec toute sa famille et tous ses amis, apprenait que son fiancé, donc futur mari, avait décidé qu'ils allaient se marier en polygamie, alors qu'elle n'était pas d'accord. Et ça, il y a tellement de femmes qui ont dit non, tellement de femmes qui ont résisté à ça, que la tendance est totalement inversée. Aujourd'hui, il y a 10 ou 15% maximum de mariages polygamiques au Cameroun. Les femmes ont eu un petit pouvoir, l'occasion de dire non, même là, officiellement devant la famille, elles l'ont immédiatement saisi, et en 20 ans, ça a totalement inversé la tendance. Et en fait, c'est comme ça un petit peu que les choses se passent. C'est des femmes qui sont très fortes, mais qui sont aussi, elles tiennent à leur liberté, la liberté qu'elles ont acquis en faisant les choses de leur côté, en ne se montrant pas forcément. Et puis un jour, quand on lève la tête, quand on voyage un peu en Afrique, on voit très bien qu'elles vont tenir des commerces, elles travaillent, elles font de la politique. Je ne connais pas de femmes au foyer. Chez nous, il n'y a pas la notion de femmes au foyer. Pas parce que nous sommes particulièrement féministes, mais pour une raison simple, c'est que économiquement, ce n'est pas viable. Économiquement, il faut que toutes les personnes
qui sont capables de travailler et de faire vivre le foyer, travaillent et fassent vivre le foyer. La liberté, l'autonomie de la famille passe aussi par la liberté économique des femmes. Et ça, les hommes l'ont parfaitement compris. Donc, ça se voit dans la société. Esa respuesta que dieron las mujeres camerunesas a la poligamia en el país respondía a una, digamos, a una organización previa a que un movimiento como el feminista pudiera haber elegido esa cuestión como bandera, o fue una cuestión individual, interior de cada mujer que hizo coincidir a muchas mujeres en el tiempo. C'est-à-dire que, oui, je comprends votre question, c'est-à-dire qu'il y a des groupes féministes au Cameroun comme il y en a ailleurs, mais ces groupes-là sont plus constitués par des intellectuels. Et c'est très important, le travail qu'elles font est extrêmement important. Des universitaires, des avocats, des médecins, beaucoup de femmes. Simplement, la femme du commun, la paysanne, la petite commerçante ne va peut-être pas se reconnaître dans ces femmes-là. Ce qui fait que ça peut créer un gap. Quand les féministes, ou en tout cas, plutôt que de dire féministes, je préfère dire les femmes qui sont plus éduquées, qui ont fait plus d'études et qui se soucient de faire progresser la société, ça se fait en plusieurs... Il y a elles qui vont s'investir sur cette histoire de polygamie, monogamie et ce changement de la loi. L'Église aussi s'est investie pour faire évoluer les choses. Et il arrivait un temps où ce n'était plus possible, tout simplement. Alors, c'est comme si les évolutions... Et quand les évolutions se font, parfois c'est presque trop tard. Quand on voit à quel rythme les choses ont changé, on peut se dire que la société était mûre, en fait. Les femmes étaient mûres à... Pour ce changement, elles avaient simplement besoin qu'on porte leur message. Et dès qu'on leur a ouvert la moindre brèche, elles se sont engouffrées dedans et les choses ont évolué. Mm-hmm. Camerún es un territorio complicado étniquement, il y a 230 etnias ou más, por lo tanto también la diversidad de lenguas es inmensa. Religiosamente creo que las religiones que imperan son la cristiana, aunque también hay un 5 o 10% de la población que es musulmana, si no me equivoco. ¿Qué importancia, qué peso tiene la religión? Ambas las que acabo de mencionar son religiones que castran en cierto modo a la mujer, que la han subordinado al hombre tradicionalmente, aunque han evolucionado. ¿Han evolucionado también las religiones en Camerún lo suficiente para dotar de cierta libertad a las mujeres camerunesas? C'est-à-dire que le Cameroun est effectivement, c'est un pays assez complexe dans le sens où il y a une partie qui est musulmane, une partie qui est chrétienne, une partie qui est anglophone, donc qui a été colonisée par les Anglais, et une partie qui est francophone, qui a été colonisée par les Français. Avant ça, ils avaient été colonisés par les Allemands, donc nous on a tout eu. Et en plus, il y a 230 tribus différentes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport aux religions, et c'est important, il y a des musulmans, il y a 20% de musulmans, ou 30%, peut-être un peu plus, et 60% ou 75% de catholiques, mais tout ce monde est animiste. C'est-à-dire que les gens retournent encore dans leur village, ont encore des liens avec leur croyance traditionnelle, et moi je pense que c'est très important. L'Église catholique ou chrétienne, je vais dire, parce qu'il y a des protestants aussi, n'a pas eu que des il n'y a pas forcément eu que des bonnes choses, mais elle a quand même fait évoluer la situation de la femme, notamment en ce qui concerne cette histoire de polygamie ou de monogamie où elle a été très forte. Maintenant, ça, c'est un petit peu comment ça s'organise du point de vue administratif. Maintenant, du point de vue de la vie quotidienne, les gens font très bien la différence. Enfin, moi, je vois chez les patients que je fréquente, les gens vont à l'église, mais en même temps, ils font la différence entre par rapport à l'empiètement que cette vie religieuse peut avoir dans leur vie sociale. Et c'est très, très significatif, parce que dans les
dans les problèmes de la vie, quand les choses deviennent des problèmes patents, palpables de la vie, on ne se laisse pas forcément influencer par la religion. On essaie de faire les choses le plus moralement possible. Si un homme décide de garder sa femme à la maison et de ne pas la laisser travailler, ce n'est pas la religion. S'il dit à sa famille que oui, ma religion ne veut pas que j'amène que ma femme aille travailler, on va lui rironner. Personne ne va comprendre. Ça n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas la religion qui va te faire manger. Si ta femme travaille, évidemment, tu as plus à manger. Évidemment, tu peux élever tes enfants. Il y a la vraie vie, les vraies réalités qu'on ne peut pas occulter simplement en disant « Je suis allée à l'église et on m'a dit que les femmes ne devaient pas manger. » Si un homme dit « Ma femme doit s'habiller, ma femme doit se couvrir, par exemple, parce que la religion m'y oblige », c'est pareil, personne ne va comprendre. Parce que sa femme a besoin d'aller travailler. Enfin, c'est, le combat économique est important. Le combat économique est important parce que ça rend obsolète, pas obsolète, disons que ça... effectivement, ça renvoie à la sphère privée le problème spirituel. Parce que le Cameroun est un pays sous-développé, ce n'est pas un pays riche. On doit travailler. Les femmes doivent travailler, les hommes doivent travailler, tout le monde doit faire sa part. Et pour que tout le monde fasse sa part, tout le monde doit avoir un minimum de liberté. Mm-hmm. Et... ¿Qué índice en el país de mujeres se dedican a la prostitución para que usted haya elegido esa figura para su libro? ¿Es muy alto? Je ne peux pas annoncer un taux. Je ne peux pas annoncer un taux. Au fond, le fait d'avoir choisi le personnage de Céline en tant que prostituée, c'est parce que ça me semblait tout simplement la plus grande fragilité, compte tenu du thème que j'étais en train d'aborder, ça me semblait tout simplement la plus grande fragilité qu'on peut imposer à une femme ou qu'une femme peut s'imposer à elle-même. Ça, c'est une sorte de... C'est pour ça que je dis, Céline, dans ce livre, représente en fait l'innocence blessée de toutes ces personnes, mais pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, qui ont aussi une manière de réagir. La plupart des autres personnages du livre réagissent avec Céline de façon assez empathique, finalement, parce qu'ils voient bien. Ils voient bien qu'elles représentent leur part de voilà, la part d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas su protéger. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas su protéger, et d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas su faire grandir. Normalmente, y aquí lo vemos con frecuencia, el binomio mujer asociado al de inmigración y pobreza suele producir el efecto prostitución cuando la inmigración llega a los países de acogida, ¿no? Y yo no sabía si esa perspectiva, esa fotografía también la había tenido usted en cuenta a la hora de elegir el personaje. Porque muchas de las inmigrantes que abandonan África y terminan en Europa, al menos eso es lo que nos dicen las estadísticas, luego las vemos en la calle y vemos que las mafias también se aprovechan de ellas para el comercio sexual, ¿no? Sí. Uh-huh. De la misma manera ocurre en Francia también, imagino. Sí, 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 sí. Bien sûr que si on... la pauvreté d'un côté, une femme fragile de l'autre, et puis... voilà, un homme qui a envie de l'exploiter ou de l'utiliser, l'équation semble évidente. Mais simplement, dans mon pays, après, la question de l'immigration, c'est encore une question différente. Elle peut être traitée différemment. Dans mon pays, c'est moins évident. La prostitution est liée à la pauvreté, elle peut être liée à la pauvreté, mais elle peut être aussi considérée comme une recherche de facilité. Parce qu'on considère toujours, encore une fois, ça fait des années que les femmes travaillent dans des travaux extrêmement pénibles, dans des plantations, voilà, que si tu veux t'en sortir autrement, tu peux t'en sortir autrement. Ce n'est pas, la pauvreté n'est pas une excuse parce qu'il y a trop de pauvres. Enfin, je veux dire, on serait toutes, ce n'est pas possible. On a le droit d'avoir un autre destin, on a le droit de se construire autrement, et ce n'est pas une excuse, parce que tout le monde, y compris les hommes, pourquoi pas, à partir du moment où la pauvreté devient une excuse
chanceux, ce n'est pas acceptable, ce serait trop grave si on le prenait simplement comme ça. Henry, ¿cuál dirías que es el reto principal al que tienen que enfrentarse ahora mismo las mujeres camerunesas y africanas en general? ¿Cuál debería ser su siguiente conquista? J'expliquais effectivement que les femmes camerounaises sont très habituées à mener leur bonhomme de chemin. C'est-à-dire qu'elles sont très habituées à mener leurs choses en dehors des hommes. Même si elles sont mariées, elles font beaucoup de choses entre femmes. Elles ont des organisations commerciales entre femmes. Elles sont très très organisées et très secrètes. En fait, on a du mal à savoir. Les hommes le disent, ils ont du mal à savoir au fond ce qu'elle fait, combien elle gagne, combien elle a. Voilà, elle garde cette sphère là privée. Et récemment, je travaillais avec un groupe de femmes au Cameroun sur une nouvelle loi de la famille qu'ils essaient de mettre en place. Et beaucoup de femmes résistent. Elles résistent pourquoi? Parce qu'elles se disent que la loi ne va pas les protéger. Elles sont très bien organisées, elles y arrivent là. Elles trouvent qu'elles y arrivent. Et pour elles, la loi ne va pas les protéger. La loi va simplement les exposer aux yeux des autres et que la société se montre plus agressive avec elle. Et c'est ça le défi. Le défi, à mes yeux aujourd'hui, c'est que la légitimité des femmes, l'égalité avec les hommes, l'égalité devant la loi soit reconnue. Que les femmes sachent quand elles vont porter un problème auprès de l'administration, qu'elles seront traitées avec la même impartialité qu'un homme le serait. Que ce soit dans la réalité, qu'elle prenne conscience que si on appelle la police parce qu'on est battu par son mari, la police ne va pas prendre ça à la légère. Parce que toute cette belle organisation entre femmes marche très bien. C'est grâce à ça que la société évolue. Elles envoient leurs enfants à l'école, elles y croient, elles sont très, très entreprenantes et très investies dans la famille. Mais quand ça bloque, quand il y a un mari qui ne veut pas, quand il y a la famille qui met la pression, là, ils n'ont plus de recours. Ça devient difficile. Elles ne savent pas aller demander de l'aide. L'aide, elles pensent que l'aide ne va pas leur être due, que l'aide va être fonction de la gentillesse de la personne qui sera en face. Donc, elles ne vont pas aller demander de l'aide. C'est-à-dire que les femmes viven bien y conformes con el círculo cerrado y discreto, ese al que se ha referido, y la tarea principal que tendrían ahora es considerarse al mismo nivel esos grupos de mujeres que los grupos de hombres frente a la ley y que unos y otros lo reconocieran. Ha hablado de maltrato. ¿Es frecuente el maltrato, los malos tratos hacia la mujer por parte de sus parejas? ¿En qué grado es frecuente? ¿Como en Europa, como en Francia, más, menos? Les mauvais traitements sont fréquents. Les mauvais traitements sont fréquents. Maintenant, est-ce que c'est plus fréquent qu'ailleurs? Je ne saurais pas le dire, mais c'est déjà trop. Et le pire, c'est ce que je disais. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus dur. C'est l'absence. C'est qu'on ne peut pas se lever et aller dire voilà. Mon mari m'a frappé ou quoi. Par exemple, les taux de divorce augmentent. Les taux de divorce augmentent, d'une part. D'autre part, c'est souvent les femmes qui demandent le divorce. Et c'est souvent les femmes éduquées. On a encore l'idée qu'il faut être marié, il faut être en famille, il faut être protégé par un homme. J'ai des amis qui réussissent très très bien leur vie, qui travaillent, qui ont des postes importants et qui ne sont pas mariés, qui élèvent seuls leur enfant. Et souvent, quand il y a des situations très très conflictuelles, parfois ça sort, elle me dit si j'étais mariée, il ne m'aurait jamais parlé sur ce ton. Parce qu'il y a toujours l'idée, ou alors si j'avais un mari, si j'étais madame, tu vois, ou même un homme, t'as dit oui, de toute façon, tu n'es pas mariée. C'est comme si
il fallait encore cette figure du mari pour libérer. Moi, quand je suis rentrée après mes études, j'ai trouvé du travail. En attendant, j'habitais chez mes parents. Et tout de suite, j'ai eu envie de partir en appartement parce que ça faisait des années que j'étais partie de chez moi et je n'avais plus du tout l'habitude de vivre chez mes parents. Et mes parents, qui sont compréhensifs, étaient prêts à me laisser partir, du moins je le croyais. Sauf que pour mon père, qui n'est pas un homme très traditionnel, qui est très ouvert, qui a laissé ses garçons et ses filles faire les études qu'ils voulaient, pour lui, c'était très important que je reste chez eux jusqu'à ce que je me marie. C'était important, c'était une question de respectabilité. Et il y a encore des choses comme ça dans l'esprit. Après, ça évolue petit à petit et ça évolue au rythme. Il y a des combats pour lesquels les femmes sont prêtes, elles sont mûres, elles mènent leur propre combat. Et elles sont sur tous les fronts. S'il y a une chose qui est claire, c'est que les femmes camerounaises n'ont pas froid aux yeux. Elles ne se laissent pas faire. Elles sont assez combatives et ce ne sont pas du tout des femmes soumises. Et puis elles sont, comment dire, malignes. Pas malignes, mais elles ont une intelligence propre, vous voyez. Elles vont pas forcément se confronter à l'autorité. Si elles peuvent la contourner, elles vont la contourner. Mais d'une manière ou d'une autre, elles vont passer. Mm-hmm. Elles trouveront le moyen de passer. Y ha hablado de que ha colaborado también con la redacción de una ley en su país. ¿Cómo contempla el gobierno de Camerún a las mujeres de su país? ¿Qué quiere para ellas? ¿Qué presencia tienen en ese gobierno? ¿Y cómo se las escucha? Celles qui sont là, elles sont, écoute, c'est assez compliqué dans le sens où ce n'est pas c'est un pays sous-développé. Ça fait longtemps qu'on a le même président au Cameroun, mais il y a beaucoup de femmes qui se battent dans la vie civile, qui organisent des choses, et elles font petit à petit. La loi sur la famille dont je vous parle, ça fait 10 ans qu'elle est initiée. Ça fait 10 ans qu'on la repousse pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle doit revenir sur pas mal de choses, elle doit revenir sur les questions d'héritage, elle doit revenir sur la polygamie, elle doit revenir sur l'autorité parentale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et il y a énormément de femmes juristes très brillantes qui travaillent là-dessus, mais aussi des femmes de la société civile, enfin, et des hommes, moins d'hommes, plus de femmes. Enfin, voilà, c'est comme ça. Elles essaient de porter cette femme, mais ça fait 10 ans. Je veux dire, j'ai commencé à m'en préoccuper il y a 2 ans parce qu'on m'en a parlé et que le sujet m'intéresse énormément. Mais elles m'ont dit, tu sais, ça fait longtemps qu'on est dessus, on y va petit pas par petit pas. Il n'y a pas suffisamment de femmes dans l'Assemblée nationale pour faire passer cette loi. Et encore, quand il y a des femmes, elles sont dans des courants différents. Enfin voilà, après c'est de la politique, ça devient autre chose. Mais est-ce que la société est prête à ce changement? Est-ce que les femmes aujourd'hui sont prêtes à avancer? Moi, il me semble que oui. Il me semble que oui. Como Geligún sabrá, pues las buenas noticias no suelen ser noticias, no son las malas. Normalmente aquí nos llegan noticias de África casi siempre contando algo negativo. Son personas que han llegado a la costa y que quieren cruzar en patera o de cualquier otra manera hacia Europa. Son mujeres que huyen embarazadas o con sus hijos de pecho porque saben que aquí van a encontrar una mejor forma de vida, ¿no? Para ella y para los suyos, a veces mujeres solas, ¿no? Pero también las noticias que nos suelen llegar de mujeres en África tienen que ver con prácticas terribles, con prácticas que pasan por la ablación, la infibulación de los órganos genitales femeninos. Y leyendo e informándome sobre otras prácticas, me llamó la atención leer que en Camerún existe una práctica que hacen las mujeres que consiste en planchar los pechos de sus hijas para que no se les desarrollen, los hombres no se acerquen antes de tiempo y ellas pueden terminar los estudios. Una cosa, algo tremendo. ¿Es frecuente esto que digo o digamos que es una anécdota agigantada por, en fin, las malas noticias que llegan hasta Europa? No, ce n'est pas une exagération. Tous les mots que vous décrivez existent. Vous voyez? Mais simplement, si on veut les aligner tous à la file,
en disant l'Afrique, ça va être l'excision, l'ablation, les patines aplaties, les femmes bâties, la polygamie et tout ça, on a. Qu'est-ce qu'on vous a dit au fond? On ne vous a rien dit, vous n'êtes pas dans la réalité, on vous a présenté une image des femmes. Maintenant, et c'est ce que je disais tout au début quand vous m'avez posé la question, ceux qui veulent vraiment connaître les femmes, ceux qui veulent vraiment connaître la femme africaine ou connaître l'évolution des sociétés africaines, il faut faire la démarche. C'est toujours pareil. Si vous voulez avoir l'exhaustivité du sujet, si vous voulez vraiment savoir comment les gens vivent chez eux, il faut faire la démarche. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter d'aligner les mots qui vont... La télévision, les informations, c'est beaucoup de choses négatives. Moi, dans mon pays, j'ai lu dans la presse, en lisant un magazine français, qu'on faisait aplatir les seins des petites filles. Je n'en ai jamais entendu parler. C'était la première fois et je tombais des nues et j'étais scandalisée en me disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et j'ai appelé ma mère en lui disant « est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ?» Elle me dit « mais ça se faisait avant !» Oh oui, ça se faisait avant, pour ne pas être pour retarder la puberté, ça se faisait avant d'aplatir. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je veux dire, j'ai vécu toute ma vie au Cameroun. Je n'ai pas vécu qu'en ville. J'ai vécu dans plusieurs villes, je suis allée dans les villages, j'ai beaucoup voyagé et je ne l'ai pas vu. Maintenant, l'article n'est pas inventé. Mais quand vous arrivez au Cameroun, si c'est ça, cette pratique que vous avez notée et dont vous allez parler pour définir la femme camerounaise, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas, maintenant ça existe et maintenant c'est une violence. Et les femmes se battent. Beaucoup de femmes se battent contre les violences faites aux femmes au Cameroun. Beaucoup de femmes essaient de faire avancer les débats. Elles sont nombreuses, elles sont très investies et elles sont très concernées. Oui, mais la femme camerounaise elle-même, la femme de base, la commerçante de base, elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas, enfermer. Elle ne va pas se laisser enfermer dans des schémas. L'image qu'on renvoie à l'extérieur, au fond, ces femmes-là, ces femmes de base, ça leur importe peu. Elles sont dans leur quotidien, elles. Vous voyez ? Elles n'ont pas envie de prouver. Elles ne sont pas dans la preuve que... voilà, on est des femmes libres, elles sont libres sous certaines conditions, elles ne sont pas aussi libres qu'il faudrait être libre. Oui, il y a énormément de violence, oui, la loi ne leur donne pas apporte pas toujours le soutien qu'il devrait leur apporter. C'est une réalité extrêmement difficile, c'est vrai, mais à côté de ça ou avec ça, ou en même temps que ça, il y a toutes sortes de choses. Il y a un autre épanouissement voilà, qui est important et qui vaut la peine aussi d'être dit. Las mujeres camerunesas, ya nos han dicho, son bravas, son inteligentes, son discretas, consiguen las cosas que ellas quieren agrupándose entre mujeres. Hay muchas asociaciones de mujeres, mujeres empresarias, seguramente asociaciones de mujeres que no son empresarias, pero que se prestan ayuda mutua y que lo hacen al margen de esa ley que tanto tiempo nos está costando sacar adelante. Tengo una curiosidad y me gustaría saber, Gemi, qué piensas tú acerca de una condición que para algunas feministas en Occidente ha sido el peso, ha sido el lastre que ha impedido que la mujer se igualara al hombre, que ha sido la maternidad. Y que, sin embargo, por otro lado, yo también pienso que hace a las mujeres más bravas, ¿no? Más aguerridas por la defensa de sus propios hijos. ¿Cómo lo contemplas tú? La maternidad, ¿qué influencia tiene en que las mujeres sean como son, no solo en Camerún, en otros lugares del mundo, en India, en Latinoamérica, que las mujeres salgan adelante, lo den todo por los hijos y la posibilidad también, bueno, la realidad también de que tener hijos limita el alcance profesional de las mujeres y su proyección y su avance? C'est vrai. Es difícil, ¿no? Oui, oui, c'est le grand thème de... La maternité va leur donner la force et la maternité va les pousser et aussi la maternité va organiser la solidarité. Je vais juste raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'avais 15-16 ans, je voulais sortir le soir et mon père ne voulait pas.
Il ne voulait pas du tout que sa fille sorte le soir. Pour lui, c'était impensable. Et dans la maison, dans notre maison, il y avait ma grand-mère, donc la mère de mon père qui vivait là, et il y avait ma propre mère, mes frères, qui étaient l'aîné de ma famille. Et un jour, et ça, évidemment, mon père ne voulait pas que je sorte, ça faisait des tensions énormes. Et un jour, ma grand-mère me dit, mais pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tous les jours tu lui demandes et tous les jours il te dit non et ça crée des tensions et c'est... Mais pourquoi tu lui demandes? Sors! Et moi, je ne pouvais pas... C'était trop pour moi. Je voulais que mon père valide, enfin, c'est comme, c'était important que... Mais elle me disait, mais quel est ton objectif? Est-ce que tu veux sortir le soir ou est-ce que tu veux que ton père te donne la permission? Et moi, je lui ai dit, mais tu comprends, s'il m'arrive quelque chose... ça va être terrible. Elle me dit, et si je te donne la permission, tu es sûre qu'il ne t'arrivera rien? C'est pas ça qui va te protéger. Si tu penses que tu es suffisamment grande pour sortir le soir, tu es suffisamment grande pour faire attention à toi. Et ça, c'est ce que ma grand-mère me disait. Et mon père, jamais il n'aurait imaginé que sa mère aurait pu me dire ça. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que ça pourrissait tellement l'ambiance à la maison que mon père, qui voyageait beaucoup, il était de temps en temps absent. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je demandais la permission à ma mère, quand mon père n'était pas là, j'avais le droit d'y aller. Donc, elle m'accompagnait, oui, et elle revenait me chercher. Donc, je sortais et elle revenait me chercher. Et c'est pareil, mon père était dans cette maison, donc il y avait des femmes qui géraient tout, qui organisaient tout. Et du coup, voilà, tout le monde était content. On n'était pas dans la bagarre, la lutte et tout. Mais moi, en tant que jeune femme moderne, et tout, je voulais aussi m'imposer devant mon père. Je voulais aussi qu'il accepte que oui. Et ma grand-mère, elle me disait, tu n'es pas très maligne, ma fille. Pour elle, je n'étais pas très, très intelligente. Elle trouvait que je me créais toute seule. Ce que tu veux faire, salir, sal. Fais-le. Si tu penses que tu es assez grande pour sortir le soir, ben, n'embête pas toute la famille. Vas-y, tu attends que tout le monde dorme et puis tu y vas. Et puis tu prends ton risque et puis tu te démerdes pour rentrer parce que moi je veux que tu rentres en un morceau, ma fille. Il est hors de question qu'il t'arrive quoi que ce soit dehors. Tu veilles sur toi-même suffisamment pour pouvoir rentrer et tu es gentille, tu rentres avant que ton papa ne se réveille. Era una abuela bastante moderna, ¿eh? Por otra parte, ¿no? Oui, oui, oui. Et ça, ma mère, c'était pas de la modernité. C'est comme ça qu'elle vit. C'est-à-dire, l'obstacle, elle ne va pas y aller. Elle ne va pas. Si elle voit qu'elle ne peut pas se. Ça n'avait rien de moderne. C'était simplement de se dire quel est ton objectif et comment tu vas y arriver. Et ma mère, qui ne pouvait pas me dire, ma fille, tu sors, et tout, voilà. Ma grand-mère, c'était ma grand-mère, j'avais une relation très privilégiée avec elle. Elle était exactement dans le même. Dans la même idée, mais c'était ma mère, elle avait à cœur de me protéger, évidemment. Elle me disait, ok, je t'emmène et je retourne te chercher. Et pendant toutes ces années, jamais, je suppose que mon père le savait quand même, parce que quelqu'un lui a dit, ou peut-être qu'il l'ignorait, mais jamais on en a parlé. Jusqu'à ce que j'aille à l'université, ça n'a pas. Le problème s'est réglé. Ce n'était pas de la modernité, c'était comment faire pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Et ça, quelque part, c'est ce qu'elles nous ont... moi, en tout cas, les femmes de ma famille et de mon entourage, je sais que c'est de là que résidait leur force. Et maintenant, on peut aussi dire que ce n'est pas la force des vainqueurs. On peut aussi dire que c'est la force des personnes qui ne sont pas sûres qu'elles vont être entendues. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aussi dire que ces stratagèmes qu'on met pour construire sa vie malgré tout, on n'aurait pas forcément besoin de les mettre si on était sûr de soi. Mes frères, par exemple, n'ont jamais eu aucun problème pour sortir. Su abuela fue la inspiradora del personaje de la abuela del primer libro. Oui, ¿sí? Oui, absolument. ¿Su abuela era la que contaba las historias en la familia? ¿Qué peso tiene la tradición oral en Camerún? La tradición reste très présente. Après, il y a des choses dont on s'est débarrassé en route et dont on continue de se débarrasser, mais en même temps, la tradition n'est pas que négative, c'est aussi notre
notre culture, elle nous construit. C'est mm-hmm. aussi une manière de transmettre à nos enfants. Il y a des choses à garder. Il y a du bon. Une certaine moralité, une certaine vision de la vie. C'est important. On peut pas tout rejeter en bloc simplement parce que ça fait partie du passé. Parce que il faut que les racines soient plantées pour qu'après l'arbre puisse grandir. Vous voyez, il faut que les racines soient là. Et nos traditions, bien sûr, épurées de tout ce qui nous retarde, de tout ce qui nous fait du mal, oui, doit continuer d'exister, de perdurer. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce premier livre, Le Clan des Femmes, qui raconte de façon romancée la vie de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle a vécu plus de 100 ans. Elle a traversé le siècle. Elle est née en 1903 à peu près, et elle est décédée en 2007. Elle a vraiment vécu tout le long. Et quand elle est morte, elle est partie avec tout ce qu'elle avait, parce qu'il n'y avait pas de lettres. Il n'y avait pas une vieille lettre, elle ne savait pas écrire, elle ne savait ni lire ni écrire, donc il n'y avait pas une vieille lettre, il n'y avait pas une vieille photo, et ça m'a énormément manqué. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, parce que je me suis réappropriée l'histoire. C'est la limite de la tradition orale. Mm-hmm. La limite de la tradition orale, c'est qu'on ne vit plus tous au même endroit, que moi je vis ici, mes parents vivent au Cameroun, et que je ne peux pas venir avec un questionnaire et dire à ma mère, comment était ta vie à l'époque? Ma mère ne me répondra jamais. C'est trop intrusif. Il faut que je sois là, tous les jours, petit à petit, qu'elle me raconte, dans la vie de tous les jours, que ça se tisse. Or, ça, je ne peux pas. Et mes enfants, encore moins. Alors, il faut écrire. C'est pour ça que j'ai voulu m'approprier cette histoire, et avec mes mots, ma propre sensibilité, évidemment, et la retransmettre. ¿Recuerda alguna de las historias que le contaba su abuela que se pueda resumir y contar brevemente aquí? ¿Alguna de esas historias magníficas que recuerda cuando usted era pequeña con su abuela? Ça ne me revient pas. Un jour je ferai un livre. Un jour je ferai un livre là-dessus, parce que ça vaut le coup. Sobre eso especialmente. Tengo otra curiosidad. Se ha referido antes nuestra invitada Henry Bloom a que en su país, en Camerún, hay una historia colonizadora muy potente, ¿no? Alemanes, franceses, ingleses, 230 etnias, muchísimas lenguas. El fenómeno de la colonización siempre se interpreta en clave negativa, al igual que siempre se interpreta en clave negativa el que la mujer africana esté marcada por la infibulación o por prácticas degeneradas contra ella, ¿no? Mutiladoras. Pero la colonización, a su juicio, ¿qué dejó de positivo en las mujeres camerunesas y qué de negativo? ¿En qué les ha ayudado a afrontar el futuro, si es que lo ha hecho, y en qué les ha cortado o coartado para conseguirlo? Vous savez, alors, moi, ce que je pense, ma conviction là-dessus, c'est que il y a peut-être eu des choses positives, il y a certainement eu des choses très négatives, notamment au Cameroun, mais le négatif prévaudra toujours à mes yeux, pour une raison, parce qu'on ne saura jamais ce qu'on serait devenu s'il n'y avait pas eu la colonisation. En fait, elle nous a privés d'être nous-mêmes. Il y a toute une partie de nous. Moi, j'écris dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, que j'adore, qui est le français, évidemment, mais qui n'est pas ma langue maternelle. Je rêve en français, ce qui n'était pas le cas de ma grand-mère, ou même de ma mère. Et il s'est passé quelque chose qui a fait que on a bifurqué, et ça s'est fait violemment et pour des raisons qui, à mon avis, sont des raisons économiques. C'est pour ça que pour moi, les avantages de la colonisation devant cette réalité-là n'ont aucune importance. Non existe. El peso de la colonización, por tanto, en Camerún es más negativo que positivo. Las mujeres camerunesas pelean por lo suyo, lo hacen de manera discreta e inteligente, lo consiguen a espaldas de sus maridos o de sus padres, porque deciden que esa es una forma
mejor de hacerlo que confiar en una igualdad manifiesta. Las leyes tienen como objetivo presente y futuro dotar de esa igualdad a la hora de hacer las cosas. Todavía no lo han conseguido, pero se está trabajando en ello. Y a las mujeres en Camerún, como en cualquier otra parte del mundo, no hay que definirlas por lo que no tienen, sino por lo que tienen y por lo que tendrán, que es el trabajo en el que están preocupadas todos los días. Este es un pequeño resumen de una charla que ha durado casi una hora. Pensaba que no iba a llegar a durar una hora y que ustedes pedían sopitas un poco antes, pero lo cierto es que ha sido muy interesante, que nos ha contado cosas que seguramente no sabíamos, que nuestra impresión de Camerún, que más allá de ir por la selección que se enfrentó la nuestra aquí, creo que en 2006, no creo que supiéramos mucho más, pues ha mejorado, ha ampliado un poco nuestros horizontes, nuestras expectativas. Así que, Gemí, muchísimas gracias por estar con nosotros. El turno ahora es de ustedes y de las curiosidades o las preguntas que quieran hacer, y el aplauso que tienen preparado es para ella. Dando vueltas por ahí para las personas que tengan curiosidad. Yo no veo las manos, no es que vea mucho, la verdad, puedes observar, pero ahí. Buenas tardes. Hola. Soy Jean-Pierre Touc. Tengo un subidón de orgullo que no os podéis imaginar. Soy de la quinta de Boom y yo creo que tengo unos años más que ella. Y la verdad que es la primera vez que me siento tan orgulloso de una persona. Somos de la misma ciudad, también creo que de la misma tribu, porque tiene que ser basada en Boom. Supongo que sí. Por lo menos. Entonces hablo de muchas cosas que son ciertas. Llevamos aquí muchos años y la gente no sabe lo que es Camerún, ni se lo imagina. Podemos hablar de la prostitución en Camerún, podemos hablar de la evolución de la mujer. Yo creo que hemos tenido mucha suerte. Ella hablaba de que la colonización no ha aportado nada positivo. Yo no sabríamos decir si sí o no. Pero hay una cosa importante, que hemos tenido la suerte de ser el país más escolarizado de África, sin duda. Ha sido una ventaja muy grande para nosotros, que haya habido mujeres que antes de nacer yo eran ya diputadas, imaginaos, que iban a la Asamblea Nacional, que eran ya militares, que eran profesoras. En otros países de África, pues igual ni votaban todavía. Entonces, yo no sé si ha sido una ventaja o desventaja. Otra cosa que quería hablar de los malos tratos en África, en Camerún, de las mujeres. Yo me hago una pregunta. Si una mujer está maltratada, no físicamente, igual, pues digamos psicológicamente, y no se entera, ¿es maltrato? Daré un ejemplo. Yo vivía en Portugal con un amigo congoleño que se llama Edima. Y tenía una mujer, yo todavía no tenía mujer, y ella iba a trabajar, nosotros estábamos en el paro, estábamos en casa, la mujer de Dima iba a trabajar cuidando a ancianos, y volvía a casa y empezaba a cocinar. Y nosotros viendo el fútbol, por ejemplo, le llamaba a Dima, Cristín, tráeme una cerveza en la nevera. Y mi novia que era de aquí se levantaba y entraba en la cocina. Y Cristín iba, dejaba la cazuela en el fuego, iba, le cogía la cerveza y venía cantando para entregar la Dima. Para la mujer de aquí, Christine, era una mujer maltratada porque venía de trabajar, encima que Dima no trabaja, la manda otra vez. Pero esa mujer si no se entera, está maltratada. Pregunto otra cosa para no ocupar todo el tiempo. Y ahí a la pregunta a ella. Por ejemplo, yo voy de vacaciones a Camerún, tengo 40 y pico años, se me insinúa una chavala de 15 años o 16 años hablando de prostitución. ¿Por qué se me insinúa? ¿Por qué ve que tengo medios para comprarle un traje, unos zapatos o tal? Es una forma
de prostitución encubierta. Hablaríamos de miles de cosas, pero como no hay mucho tiempo, pues prefiero dejar esas dos cosas, ¿verdad? Es el turno de Gemini. Alors comme ça, Christine ramenait la bière en chantant, hein. Ça, je veux voir ça, moi. Oui. Ce que vous dites par rapport aux très jeunes filles qui, et j'en parle un petit peu dans le livre, qui sont à peine pubères, mais qui sont des proies pour les hommes, etc. Ça se voit énormément, notamment dans les grandes villes. Quand vous arrivez à Douala ou à Yaoundé, ça se voit, on voit beaucoup ça. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est simplement que la pauvreté n'est pas une excuse. Voilà. Il y a aussi une idée de facilité, à la fois pour la jeune fille qui vient et pour l'homme qui va vers elle, d'une part. Mais ce qui est aussi et qui est important et dont je parle dans le livre, il y a la protection des parents. Parce que des jeunes filles comme celle-là devraient être protégées. Il y a des enfants qui sont très protégés au Cameroun, ils sont très protégés par leurs parents, ils vont dans une école, voilà. Et puis il y a aussi un certain laxisme. Parce que c'est facile, parce que c'est de l'argent facile. Vous venez d'Espagne, on se dit il a plein d'euros et voilà. C'est de la facilité. Ça existe évidemment. Ça existe énormément. J'ai vu une fois, il y a longtemps, un documentaire en France qui s'appelle Envoyé spécial. Et il parlait du Cameroun. Et il parlait de pédophilie. Le journaliste était un petit peu en caméra cachée, il arrivait dans un hôtel et on lui proposait de très très jeunes filles. Et ça c'est pareil, enfin, ça doit être un petit peu la même chose pour tout le monde. Quand vous êtes dans un autre, quand vous entendez un autre pays parler de vous en mal, c'est comme si, c'est très personnel. Vous prenez ça d'une façon, comment, non? Ce n'est pas, chez moi ce n'est pas comme ça, mais pourtant c'est une réalité qui existe. Simplement, comme c'est un pays pauvre, ça coûte moins cher que dans des pays mieux organisés, évidemment. Je voudrais vous demander vraiment, parce que je n'ai pas lu le livre, mais je pense lire, de la prostitution, c'est vraiment les sida, c'est l'important. Alors, c'est qui la porteuse, c'est elle, mais c'est les hommes quand même. Qui les donne à les femmes, et que c'est la porteuse, mais c'est toujours on parle des femmes. Alors moi je crois, c'est que même pas le Cameroun, c'est l'Afrique. Toute l'Afrique, on parle des sites et tout ça, parce que j'ai une fille qui travaille avec, hein, dans ces volumes-là. Et moi je voulais savoir vraiment, hein, si se protège la femme, s'il y a la protection pour elle, si on a assez de protection, qu'on parle tellement d'elle. Hein? Ah, oui. On va voir si vraiment, parce que je crois que c'est l'importance, oui. Le sida, c'est protéger. Si le gouvernement il donne des moyens pour se protéger et arriver à vraiment à couper cette. Parce que quand vous avez parlé des mariages, oui. Et je pense qu'il parle avec son futur mari avant, parce que si c'est toi avec la robe blanche devant la. Ils vous disent non, moi je suis polygame, alors qu'est-ce qu'il passe? Elle parle à la femme et elle laisse tout seul. Oh, c'est arrivé, hein? Oh, mais oui, oui, c'est arrivé que la femme et que ça se décide là. Enfin, je veux dire, parce que l'homme peut penser que jamais elle n'aurait le courage, de comme ça, devant tout le monde, de dire non. Donc il va éluder la question. Puis elle arrive là et elle a quand même le courage. Je l'ai vu plusieurs fois, ça. C'est assez extraordinaire, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, évidemment, ils en parlent avant, parce que la honte est sur eux aussi. Mais devant la mairie ou devant l'église, moi je ne comprends pas qu'à ce moment-là encore, ils ne peuvent pas parler vraiment. Bien sûr. Vous. Moi je pense que là, c'est la même ça. Bien sûr. Le sida, que c'est tellement important. Ce qui se passe au Cameroun, il y a beaucoup de choses dont je parle du livre. Celle qui est importante et que je voulais souligner, c'est l'espérance
et le renouveau apporté par les trithérapies et les nouvelles thérapies sur le sida qui font qu'aujourd'hui les gens peuvent vivre à peu près correctement, même en étant malades, peuvent continuer de travailler et d'avoir une vie normale, d'une part, et d'autre part que les enfants nouveau-nés sont mieux pris en charge. Ça, ça a vraiment changé les choses. Parce que c'était 12% en 98, aujourd'hui c'est 4,5% au Cameroun. Le gap est important, ça s'est fait en plus de 10 ans. Mais beaucoup, beaucoup de gens sont morts. Et surtout, énormément de gens se protègent. Les prostituées, les femmes prostituées camerounaises, aujourd'hui dans les populations de femmes analysées, sont les moins atteintes. Pourquoi ? Mais parce que leur métier les oblige à se protéger d'une part, et d'autre part, un homme ne va pas voir une prostituée sans se protéger. Il est bafou. Il va faire attention. Après, ça va être autre chose dans le couple. Et c'est à ça que les associations travaillent aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que 7 femmes sur 10 malades du sida sont dans une relation de couple. Donc sont dans une relation avec un homme, peut être marié, en couple, avoir un compagnon. Elles sont dans des relations de couple et les associations sont en train de travailler à cela. Alors la question de la protection se pose différemment. Au début, on va utiliser des préservatifs, quelques temps. Après, si on est vraiment très carré, on va faire des tests. Ok, donc on est sain. Et après ? Après, c'est pour les femmes camerounaises comme pour les femmes de n'importe où. Après, ça devient la relation qui est problématique. Après, ça devient la confiance qu'on peut faire à l'individu. Et là, c'est difficile d'agir. Qu'est-ce que l'État peut mettre en place là ? Ça devient une relation de confiance et de fidélité entre un homme et une femme, comme ça peut se faire dans n'importe quelle partie de cette planète. Et là, c'est difficile d'intervenir. C'est ça le problème aujourd'hui. Merci Amélie. Tu as beaucoup parlé dans ton livre de la relation mère-fille et tu as donné un exemple avec ton père. Oui. Et pourquoi tu as voulu justement développer tant ce thème dans le livre, puisqu'on voit que chaque personnage a vraiment une relation très, très forte avec sa propre mère, que ça soit dans le sens positif comme dans le sens négatif. Oui, parce que je racontais tout à l'heure l'exemple avec ma grand-mère et ma mère. Enfin, c'est assez symptomatique. Les femmes prennent énormément de place dans l'éducation des enfants. Elles ont une place extraordinaire dans l'éducation des enfants. Et donc, une place extraordinaire dans la place qu'elles occupent chez les jeunes adultes qu'elles sont. Après, le père est plus... un petit peu comme à l'ancienne. Après, voilà, il y a aussi maintenant des pères modernes, mais il y en a moins. C'est-à-dire que ça va, ils n'ont pas forcément un rôle maternel. Je le vois même chez des jeunes gens de ma génération, ou même de la génération plus jeune, qui sont proches de leurs enfants et qui les aiment beaucoup, mais ils n'ont pas cette relation fusionnelle qu'il peut y avoir entre les mères et leurs enfants. Et se tissent des choses assez... assez incroyable. Enfin, je vais encore parler de moi, vous allez m'excuser. Nous, on est 5. Il y a 3 filles et 2 garçons. Et on a tous grandi avec l'impression d'être enfant unique. On est une fratrie très unie, mais notre relation à notre mère est assez incroyable. Mes frères qui sont grands, qui ont des enfants, qui sont mariés chacun de leur côté, ils ont des secrets avec ma mère. Enfin, ils ont une manière de faire qui est très particulière. Et dans d'autres relations, d'autres familles que je connais, cet envahissement a provoqué du rejet. Ils ne peuvent pas rejeter leur mère officiellement. On doit s'occuper de ses parents, surtout quand ils vieillissent. Il n'y a pas l'assurance maladie, il n'y a pas la retraite, etc. Et donc, évidemment, quand les parents vieillissent, tu dois t'occuper d'eux comme tu t'occupes de tes enfants. C'est comme ça.
c'est la charge de chaque enfant. Mais le côté affectif, j'ai aussi vu beaucoup de filles et de garçons dans le rejet. Beaucoup chez les femmes qui ont des postes importants, qui ont une réussite économique, comment dire, éclatante. Elles sont, cette image maternelle très enveloppante et tout ça ne leur convient pas. On sent qu'elles se débattent dedans. C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir qu'elles ne sont plus à l'aise. Ça ne leur plaît plus. Elles veulent être autre chose. Elles veulent exister autrement. Elles pensent que, voilà, nous ne sommes pas que des mères et qu'on a le droit d'exister par ailleurs. C'est pour ça que la relation à la mère est importante. Parce que, d'une manière ou d'une autre, elle a du poids. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est toujours une relation très complexe, mais elle prend de la place. Elle a de la place. Je veux dire, si vous voulez insulter quelqu'un, insulter sa mère, enfin, c'est comme ça dans beaucoup de pays, j'imagine, mais vous insultez sa mère, ça ne va pas, hein. Je veux dire, ce n'est pas qu'il aime ou pas d'ailleurs, hein. Parce que qu'il ait une bonne relation avec sa mère ou pas, vous de l'extérieur, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Les mères ont énormément de place dans la vie de leurs enfants. Et j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de la mujer lesbiana en Camerún? C'est pas la situation des homosexuels en général n'est pas une situation facile parce que l'homosexualité est considérée comme un délit et que voilà que ce n'est pas une situation facile. Mais là aussi et c'est pour ça que je pense que la société camerounaise est une société très riche et très complexe. Là aussi, il y a des personnes qui se sont emparés de cette bataille. Et pourtant, ce n'est pas un sujet facile. Hein. On ne peut pas dire que ce n'est pas un sujet facile. Mais il y a quand même des hommes et des femmes qui ont eu le courage de s'emparer de ce problème et d'essayer, là aussi, de faire évoluer le texte. Vamos, una reflexión y una pregunta. Creo que en lo occidental, los occidentales, no va a ser muy difícil que comprendamos algunas cosas de los africanos. Y me parece bien, porque creo que hemos perdido una parte que formaba parte de nuestra tradición. Y le pongo el ejemplo y me gustaría que usted reflexionara. Yo he oído decir a una mujer africana, referente a la ablación genital, que ellas no, que para ellas era una especie de pecado o no pecado, sino mala cosa traer hijos al mundo frutos del deseo o del placer, lo cual me llamó mucho la atención, cosa que para un occidental es una cosa que no va a entender nunca. Quisiera que reflexionase sobre esta idea. C'est important de savoir quelle femme, d'où venait cette femme africaine et même de l'endroit où elle venait, quels sont les différents courants qui existent. Est-ce que l'enfantement ne peut pas être... Enfin, l'enfantement c'est quoi? L'ablation ne concerne pas l'enfantement, l'ablation concerne la relation sexuelle, le plaisir sexuel. Et je veux dire, l'avantage, il y a plusieurs choses, il faut que je réfléchisse parce que votre question me pousse à réfléchir. Il y a plusieurs sociétés en Afrique. Les pays sont différents les uns des autres. Il y a des pays musulmans, il y a des pays chrétiens, il y a des pays qui sont musulmans et chrétiens, il y a des pays qui sont restés dans leur tradition, etc. Traditionnellement, chez nous, dans mon pays, la relation entre un homme et une femme est une relation très simple.
ce n'est pas même le poids de la moralité judéo-chrétienne qu'il peut y avoir ailleurs ne pèse pas de la même manière. Moi, quand j'ai dit ça devant d'autres publics, certains ont approuvé, d'autres pas, mais je parle d'expérience, de ce que j'ai vu, que ce soit chez moi ou dans mes voyages. On ne m'a jamais dit une femme doit être fidèle au même homme toute sa vie. On m'a toujours dit une femme doit être discrète. On m'a toujours dit ok, mais ne sois pas assez stupide pour te faire avoir. La vie est faite ainsi. Elles sont parfaitement au courant de la complexité des choses. Elles sont parfaitement au courant de la complexité de la relation de couple, du temps qui passe, etc. Elles ne peuvent pas être limitées à des pratiques comme celle-là. C'est-à-dire qu'au Cameroun, en tout cas au Cameroun, en tout cas dans la société dans laquelle moi j'ai grandi. Maintenant, pour avoir un petit peu voyagé et un petit peu rencontré d'autres cultures, je sais que c'est différent. Je suis consciente que c'est différent. Mais chez nous, non. Si une femme avoue que son mari ne lui donne pas du plaisir, dit que son mari ne lui donne pas du plaisir, je veux dire, la honte est au mari. Personne ne va lui dire, et comment tu veux avoir du plaisir, mais pas du tout, tu n'as pas droit. On va dire au mari, ah bon, tu ne donnes pas du plaisir à ta femme, mais c'est quoi ton problème? Vous voyez? C'est simple, en fait. La relation est assez simple. Elle n'est pas... Après, ça se complexifie dans la structure de la société. Il faut que la famille tienne. Il faut que les enfants aient un père. C'est pour ça que il faut être discrète. Il faut être intelligente. Il faut mener ces choses avec discernement. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, vous avez rencontré une femme africaine qui vous a tenu un discours. Vous en rencontrez une autre qui vous tient un autre discours. Et si vous rencontrez 50 femmes africaines, il y a des chances pour que vous ayez... vous voyez ce que je veux dire? Seguramente muchas de las personas que están aquí quisieran preguntarme, no lo van a hacer de forma directa, yo sí. ¿Usted qué prefiere, vivir en París o vivir en Camerún, como Génigún? ¿Qué prefiere? C'est une question piège. J'aime beaucoup Paris parce que j'ai fait plein de choses, j'ai écrit, c'est culturellement très riche chez moi, ça me stimule. On fait des choses extraordinaires. Mais ma ville, c'est Douala. Je suis née à Douala, j'ai grandi, j'ai ma famille, c'est ma ville. J'adore cette ville. Et c'est parce que je suis ancrée, c'est parce que j'aime tant cette ville que je peux aussi me permettre d'aimer Paris. Vous voyez? Je ne me sens pas. Je peux vivre à Paris parce que j'ai un chez moi. Muy bien. Pues un segundo aplauso y muchas gracias por la.